Bonjour Daniel. Bonjour Pascal. Alors, on fait un petit échange, ce n'est pas le premier. Je mettrai le lien de notre premier échange concernant effectivement un petit peu ton parcours de vie qui était, je dirais, extrêmement chaotique. Mais aujourd'hui, je souhaitais en fait parler de manière plus particulière de ton livre qui vient de sortir. Donc, tu es né en 1953, donc tu as 67 ans aujourd'hui, et tu es né en... Non, Non? 68. 68, bon, je voulais pas te vieillir, mais puisque tu insistes. Bon, Allez, voilà. étant donné que 68. je suis parti en rajeunissant, ça me dérange plus. D'accord. Et en fait, fait peu banal peut-être pour la plupart des personnes de par le monde, je dirais, toi, tu es né dans une crèche catholique, ce qui aura, on le verra plus avant dans notre entretien, une incidence pour le moins importante pour le reste de ta vie. Mais donc, tu fais état un petit peu de cette vie qui a été la tienne, Daniel, dans ce livre donc, qui est intitulé Kidnappé par l'Église catholique romaine, trahi par l'État québécois, autopsie d'une secte criminelle. Alors évidemment, le titre tel quel peut paraître violent pour une personne qui à la foi ou qui même extérieure à l'Église n'a pas forcément... une appréhension correcte des désastres que la religion catholique ici en l'espèce a pu effectivement véhiculer depuis des siècles. Mais donc peut-être que ma première question serait que tu nous élues, enfin que tu nous expliques plutôt un tout petit peu la signification du titre en commençant par le début. Que signifie en fait Daniel le kidnappé par l'Église catholique romaine? Qu'entends-tu par là? Bien, suite aux recherches que j'ai faites, j'ai découvert que toute fille mère qui entrait à la crèche dans les années 50, 40, 50, 60 était immédiatement sollicitée pour donner leur enfant. Mais on le faisait d'une façon... D'après moi, qui est criminel, en leur faisant signer un papier que la plupart ne lisaient pas. Et puis, sur ce papier-là, c'était stipulé qu'elles s'engageaient à donner leur enfant et à ne jamais essayer de le revoir. Puis, ça leur était présenté comme un papier qu'ils devaient signer obligatoirement pour donner la permission à l'institution de les accoucher. Donc, la plupart ne lisaient pas. Et puis, d'après moi, le début des enlèvements perpétrés par l'Église commençait là. Ça témoigne aussi d'un stratagème, d'une intention criminelle en partant. C'est ça. Ce sont les congrégations religieuses, en fait, qui prenaient en charge les enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. À la crèche où je suis né, c'était une pratique courante que de faire signer ces papiers-là aux filles mères avant même qu'elles n'entrent, qu'elles soient admises. Et si, celles qui refusaient de le signer, on les menaçait de les retourner à la rue ou elles devaient payer 50 $ sur le champ pour l'accouchement qu'elle allait vivre là. Et puis, quand on sait que, bon, d'après les témoignages, là, les salaires du temps étaient 5 $ par semaine, puis que ces filles-mères-là avaient été mises à la porte de chez elles, s'étaient retrouvées à la rue, c'était impossible pour la plupart de payer ces frais-là. Donc, elles signaient le papier et puis... Elle se retrouvait sans le savoir, sans avoir aucun droit sur l'enfant. Oui. Et en fait, ces filles mères sont donc en fait des mères célibataires qui ont donné naissance à un enfant et qui, si je te comprends bien, en fait, n'étaient pas en mesure, du fait de leur situation financière, n'étaient pas en mesure de prendre en charge l'enfant. Donc, c'était des femmes qui étaient dans une situation précaire. Ce qui est très ratoureux dans tout ça, c'est que l'Église, avec l'emprise qu'elle avait sur tout le peuple québécois, la peur de l'enfer, etc., etc., en démonisant ces filles-mères-là, ça faisait en sorte
que les parents de ces filles-là se détachaient complètement d'elles de peur de déplaire à l'Église. Puis elle se retrouvait, même si elle avait un emploi, même si elle se retrouvait à la rue et obligée de s'expatrier, de s'exiler dans la ville pour finalement aller. C'était comme un stratagème. Oui, mais qu'est-ce qui faisait en fait, Daniel, le fait qu'une fille mère se décide à donner justement cet enfant qui est le sien, auquel a priori elle tient quand même, comme l'a pris de ses yeux, qu'est-ce qui fait qu'elle donne cet enfant à une congrégation avec effectivement pour finalité de se séparer définitivement de l'enfant? Il y a une raison quand même particulière, j'imagine. Toutes les filles mères n'ont pas donné leur enfant à une congrégation. Ce qui est particulier, c'est qu'elles se retrouvaient sans appui monétaire, ni de la part de leur famille, ni de la part de l'État, qui était très au courant d'ailleurs. Et puis, donc, démunies complètement, l'Église en profitait pour se saisir de l'enfant qu'elle portait. Écoute, moi, ce que j'ai entendu, c'est que là où je suis né, les filles-mères accouchaient endormies. Le cordon était coupé immédiatement, l'enfant disparaissait, puis elle ne le revoyait jamais. J'ai le témoignage d'une infirmière laïque qui a travaillé là, qui dit qu'à la crèche où je suis né, 20 à 25 enfants par semaine disparaissaient. 20 à 25. Puis là, elle raconte, elle, dans son témoignage, que la fille-mère, après une dizaine de jours, sachant pas exactement ce qu'elle avait signé comme papier, parce qu'elle ne le lisait pas, elle se rendait au parloir puis attendait leur enfant avant de partir. Puis là, il y a une sœur qui arrivait puis qui leur disait « Qu'est-ce que vous attendez? » Puis elle disait « Mon enfant. » Puis elle disait « Vous avez signé un papier, il est placé. » Puis là, il semble, d'après l'infirmière, qu'il y avait des crises, mais des crises épouvantables, évidemment, de la part de ces filles-là. Puis on les mettait à la rue tout seul, puis bonjour, c'était fini. Ouais. Il n'y avait aucun recours. Ils pensaient qu'il n'y avait aucun recours. Et toi, en fait, dans ton histoire particulière, tu as un peu pu retracer les circonstances dans lesquelles ta prise en charge a été effectuée. Dans quelles circonstances ta mère, en fait, biologique, s'est retrouvée pour finalement... se voir contraint de devoir te laisser entre les mains de religieuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était la norme. C'était la norme établie par l'Église catholique qu'aucune fille mère n'avait le droit de garder son enfant. En partant, c'était la base. Donc, toutes les filles mères qui se retrouvaient à la crèche étaient en danger de perdre leur enfant. J'en connais une qui, elle, a défendu bec et ongles son droit sur son enfant. Elle m'a raconté ça. Elle est morte dernièrement. Elle a accouché une crèche catholique. Aussitôt accouchée, ils ont voulu faire signer des papiers, elle n'a jamais voulu. C'était quand même 10 ans, 12 ans après ma naissance. Elle a laissé son enfant là, puis elle s'est remise en selle dans sa vie personnelle. Elle payait pour sa fille, elle lui rendait visite. Puis, d'après les lois, une fille mère avait 6 mois pour reprendre son enfant, pour revenir le chercher. Elle a été 6 mois. Au bout de 6 mois, elle est venue pour voir sa fille. Puis les sœurs lui ont dit, « Madame, vous ne pouvez pas rentrer dans la pièce où elle est. » Elle a demandé pourquoi. Les sœurs lui ont dit, « Madame, vous pourriez peut-être avoir des virus. » Elle, là, c'est une femme qui a beaucoup de caractère. Elle a regardé les sœurs, elle a dit, « Vous n'avez pas de virus, vous autres? » Puis, elle a fait son chemin dans la pièce où était sa fille. Elle a regardé la directrice, puis elle lui a dit, tu prépares ma fille, demain matin, je viens la chercher. Donc, même dans les années 65, à peu près 12 ans après ma naissance, c'était encore le processus en place
pour l'Église que Oui, de s'emparer des enfants c'est des ça, primaires. c'était la norme. Moi, quand j'ai commencé à lire sur le sujet en 2015, j'ai ressorti les papiers d'adoption que j'avais reçus en 91 de la part des services sociaux. J'ai commencé à être plus attentif. Quand je les ai reçus, je n'avais pas lu avec attention. On m'avait toujours présenté mon adoption comme un sauvetage universel de la part de l'Église. Et bon. Mais en 2015, quand j'ai ressorti mes papiers, je me suis rendu compte que je suis né le 4, le 5, j'ai été baptisé. Un mois et 2 jours, j'ai été transféré de l'institution où je suis né à 150 km plus loin. Excuse. Puis là, d'après ce que je venais de lire, c'était les façons de faire de l'Église. Quand ils voulaient enlever un enfant, ils le déplaçaient, ils falsifiaient son nom parce qu'il était registraire. C'est donc qui s'occupaient d'enregistrer les enfants au gouvernement. Donc, ils falsifiaient le nom même que la fille-mère avait donné à son enfant. Ils omettaient volontairement de mettre le nom de la fille-mère, déplaçaient l'enfant. Puis là, ben elle, qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Elle ne pouvait plus le retrouver, elle n'avait aucun moyen de le C'est faire. ça. Donc, c'est Et ce ça que qui tu expliques m'a. dans ton livre aussi, en fait, Daniel, c'est donc le fait que l'enfant, entre guillemets, est pris en charge par des religieuses ici, en vue de l'adoption, c'est-à-dire évidemment que tout ça se monnaie. Donc, il y a vraiment un aspect financier. Ce n'est Oui. pas évidemment de la bienfaisance, quoi. C'est vraiment, j'ai envie de dire, il y a un aspect mercantile avec la bénédiction, pour le coup, si je puis dire, de l'État québécois aussi. L'État québécois est parfaitement informé de la manière dont les choses se passent. Savez, l'État québécois a réagi quand les crèches ont débordé, les crèches et les orphelinats, parce qu'ils devaient payer, eux. Ils payaient pour chaque enfant, chaque jour, un per diem qu'ils appellent. Puis c'est quand évidemment, à cause des années 50, la révolution sexuelle, etc., ajouté au fait qu'aucune fille-mère avait eu une éducation sexuelle, ça a fait exploser le nombre de naissances hors mariage. C'est là que Duplessis, le premier ministre, a réagi et puis il a obligé l'Église à trouver une façon de financer ces enfants-là parce que lui, il ne voulait plus payer. Mais oui, c'était un marchandage de la naissance quand il s'emparait de l'enfant. En passant par la crèche, les sœurs étaient des vendeuses d'enfants. Elles devaient faire cette promotion-là. Puis, une des preuves de tout ça, en tout cas, que c'était tout préparé, c'est qu'elles avaient hâte de ne jamais donner d'affection aux nouveau-nés pour garder intacte leur capacité de s'attacher à la C'est ça. future mère à qui ils seraient vendus. Puis, ça, c'est un des aspects qui m'a le plus touché. Oui, parce qu'un jeune Parce que enfant a besoin forcément d'une affection, évidemment, dès la naissance, dès c'est l'accouchement. l'enfer. C'est l'enfer C'est pour un absolument vital. nouveau-né. Bah, oui, c'est Pour absolument un vital. Et c'est nouveau-né. vrai que je vais quand même rebondir du coup sur ce que j'ai lu dans. Parce que c'est extrêmement important de comprendre évidemment aussi du coup le côté machiavélique de l'Église et la manière dont elle a effectivement géré finalement ses enfants qu'elle aurait dû au contraire sur lesquels elle aurait dû au contraire veiller pour leur développement. Mais je lisais dans le journal de Charles Juliet Gratitude ces mots qu'il a lui-même écrit en lisant Alice Miller et il dit ceci: j'ai appris que la longue souffrance qui accable un enfant parce qu'il est rejeté ou maltraité ou violé jour après jour, n'est pas pour lui le plus douloureux de ce qu'il a à vivre. Le pire, ce qui laissera la blessure la plus cuisante, la plus amère, ce qui provoquera éventuellement un grave désordre psychique, c'est le fait qu'il n'est pas écouté, qu'il n'a personne à qui parler,
qu'il ne peut se délivrer de ce qui l'oppresse. Est-ce que tu Oui. dirais aussi, toi, que le, ce qui était Ah. le plus douloureux dans ton histoire, Oui, c'est oui, vraiment de oui. garder cette chape de plomb, de ne pas comprendre, de ne pas pouvoir en parler, et que Ah. finalement, quelque part, le livre que tu écris pour revenir à ton livre, c'est une façon aussi de te réapproprier ta vie, Oui. de renaître, de mettre sur le papier j'ai envie de dire, toute cette merde, tout ce trauma, toute cette enfance brisée à cause de l'Église. Oui, tout à fait. Écoute, au début, j'ai beaucoup pleuré, puis je pleure encore en pensant à toute cette oppression, cette pression qui a été placée sur moi durant les 7 premiers mois de ma vie. Laissé seul, abandonné, avec tous les besoins qu'on sait que les enfants ont, naturellement, la poussée d'adrénaline qu'ils ont. En partageant, en vivant, en découvrant, ben, ça m'a été nié. Puis, quand j'ai réalisé ça, j'ai compris. Je l'ai réalisé en thérapie, j'avais 50 ans. Donc, ce sont 50 ans de noirceur, de torture intérieure, et puis, c'est d'ailleurs l'ampleur de tout ça, de toute cette douleur-là qui a fait que j'ai voulu dénoncer. Si ça avait été une tape par la tête reçue de temps en temps, je pense pas que j'aurais écrit un livre là-dessus. Mais ça m'a permis aussi de comprendre toute la fragilité de l'être humain. Puis ça, c'est énorme pour moi. C'est énorme aussi comme changement dans la perception que j'ai de l'autre aujourd'hui. Je suis beaucoup plus attentif et puis j'ai de meilleurs rapports avec moi-même, donc avec l'autre aussi, Ah oui. là, présentement. J'en ai tout simplement, avant, j'en avais pas. Les devants de paix, évidemment, Oui. si on a de la bienveillance à son égard, de l'estime pour soi, on est évidemment en mesure d'être plus disponible, attentif et bienveillant par rapport évidemment aux autres. Si on veut en venir effectivement à ton livre, du coup, Daniel, qu'est-ce que tu as réellement souhaité dire en écrivant ce livre? Quels sont les points, j'ai envie de dire, d'achoppement que tu as souhaité mettre en avant? Il est quand même assez touffu, ce livre. Il fait état d'une série de situations différentes. Tu pourrais un petit peu nous dire le contenu de ce livre et du coup, qu'est-ce que tu as effectivement cherché à dire, à faire prendre conscience en l'écrivant, outre le fait que ça a dû être libérateur pour toi? Ben écoute, je l'ai découvert lentement, hein, c'est tout ça. Mais ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que ce qui me frappe de la situation d'humanité et de l'être humain actuellement, c'est sa grande naïveté. Évidemment, on est tous nés naïfs. On a tous une période plus ou moins longue d'apprentissage. Et puis, ce que moi, j'ai découvert, c'était notre fragilité. Et puis, comment on peut être dépendant de ce qu'on a reçu très tôt. Ça, c'est extrêmement important pour moi parce que ça fait foi, c'est comme le fondement, c'est comme le solage de tout être humain. Et puis, présentement, je trouve que... Au niveau de ce qui est dénoncé dans l'Église, c'est une très bonne chose. J'ai relié tout ça, moi, globalement, sur qu'est-ce qui se passe sur la planète actuellement. Et puis, je pense que de faire attention le plus possible à ceux à qui on confie nos enfants. Ce à quoi on confie nos enfants actuellement, c'est ce qui ressort de plus important de ce que j'ai découvert, je pense. Puis aussi, l'autre aspect très important, c'est que tout se guérit. Tout. Évidemment, quand tu passes 50 ans en prison, les 50 premières années de ta vie, que tu sors de là,
et puis que tu recommences à goûter à la vie, ben pour moi, c'est un plus extraordinaire. Ça montre la résilience. Ça montre que l'enfant ne meurt jamais. Mais c'était peut-être aussi dans ton chef imprévisible, c'est-à-dire que très longtemps, tu as peut-être cru que tu ne sortirais jamais de cette prison dont tu parles. Mais quand j'ai commencé à la voir, la prison, j'ai eu peur, puis j'avais 50 ans. Avant, j'étais comme tellement étourdi par la douleur que je ne connaissais pas. Je vivais avec, j'avais des symptômes d'une personne qui souffrait, mais personne ne le voyait. Ça m'était reproché. J'étais très instable, j'étais alcoolique, je prenais des décisions folles continuellement. Puis, le jour où j'ai compris d'où ça venait et que j'ai vraiment senti toute la douleur que j'avais vécue, ce jour-là, j'ai commencé à avoir peur. Mais tranquillement, étant donné qu'en thérapie, j'avais été chercher des outils, etc., j'ai été capable de constater l'amélioration constante. Et puis, j'ai cessé d'avoir peur. Aujourd'hui, j'ai plus peur. La seule chose qui me fait peur, c'est l'extérieur. C'est ce qui se passe autour, sur lequel j'ai aucun pouvoir. C'est ça. Mais en ce qui a trait à ce que je ressens, je suis tellement bien, je suis tellement mieux, je suis tellement. En tout cas, ça va très bien. Il y a une reprise de confiance en soi. Mais alors, Oui. du coup aujourd'hui, Daniel, quel est ton rapport finalement par rapport à l'Église? À l'Église, Oui. Comment complètement. Écoute, tu la ressens, comment tu la reçois? Inutile. Inutile. Rusé. Ça fait encore partie de la naïveté dont je parlais tantôt. La manipulation. C'est difficile de mettre le doigt sur ce qui a pu faire naître cette institution-là, mais c'est facile de reconnaître que l'humain est très vulnérable du fait que elle a du pouvoir sur plus d'un milliard de personnes. Et je pense que ça fait ressortir le fait que l'ensemble des systèmes actuels du monde ne sont pas basés sur des valeurs humaines en partant. C'est ce qui peut ressortir. Mais l'Église comme telle, écoute, j'ai jamais, jamais pu imaginer avoir devant les yeux une institution, une organisation aussi sale, méprisante pour l'humain. C'est incroyable. C'est étourdissant. Quand j'ai commencé à tremper là-dedans, là, j'étais tout étourdi. J'ai dit, ben, sur quelle planète je suis, tu sais? L'Église, sous ses allures de bon monsieur qui caresse les enfants, et ce qu'il y a à peu près de plus hypocrite pour moi, sur la planète actuellement, de plus dommageable aussi. Mais en fait, ta déception de l'Église, par rapport à l'Église, tu l'as eue après avoir découvert tout ce qu'elle t'a fait subir et ce qu'elle a fait subir au reste de l'humanité, ou bien ça, tu as toujours une méfiance par rapport à l'Église. Il y a une époque où tu as adhéré en fait à l'enseignement de l'Église, ou tu as toujours été très, très rebelle, très critique par rapport à ça? Il y a une chose dont je n'ai jamais parlé, c'est que vers l'âge de 17 ans, j'ai commencé à chercher dans toutes les sectes présentes au Québec. J'ai fait le tour de plusieurs. On m'avait parlé des évangiles. J'ai lu les évangiles. Et puis, je suis allé voir les Krishna, je suis allé voir. Je suis allé partout.
J'ai fait le tour, j'étais curieux, puis j'étais grouillant. Fait que, mais je suis resté nulle part. Aucune de ces sectes-là. J'ai jamais réalisé jusqu'à quel point le fait d'avoir vécu catholique et grandi catholique, j'ai même été servant de messe. J'ai participé parce que mon père, mes parents étaient très catholiques, mais mon père surtout. Et puis, par rapport à l'Église, ma déception est venue quand j'ai découvert ce qu'elle faisait dernièrement, en 2015. C'est seulement en 2015 que je me suis reculé. Et avant ça, c'était plus ou moins présent dans ma vie, tu comprends? Par Parce que contre, quelque part, le Québec est extrêmement imprégné, je dirais, par la religion. Il a quand même un rapport particulier à la religion, le Québec. Pas seulement la religion catholique, mais enfin, je veux dire, elle est très présente, la religion au ah Québec. oui. Tellement que le surnom que le restant du Canada donnait au Québec, c'était The Priest-Ridden Province, la province menée par les prêtres. Puis ça, c'était évident pour partout ailleurs, où le Tibet du catholicisme, c'était ici. Un peu comme en Irlande, où elle avait une emprise énorme. Le Québec était reconnu pour marcher à genoux, à plat ventre, sur le dos, sur la tête, de toutes les manières possibles, aussitôt que c'était question de l'emprise de l'Église. Ça, Mais tu je l'as suis déjà plus ou moins parlé, conscient. un petit peu, Daniel, en filigrane. Je voudrais quand même reposer cette question de manière plus particulière parce que pour moi, c'est quelque chose aussi qui me, j'ai envie de dire, presque, qui me sidère. C'est-à-dire que malgré le recul que nous avons, malgré les connaissances que nous avons, les connaissances scientifiques, l'esprit critique, et par ailleurs, toutes les maltraitances, les dérives sectaires, les abus commis par l'Église, malgré tout, en fait, certains considèrent encore que c'est l'Église du Christ et que quelque part, partir serait trahir. Comment toi tu expliques finalement cette difficulté à remettre en question l'Église au point où les personnes te disent mais partir, ce serait jeter finalement le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire ne pas remettre en question ça, simplement les dérives, mais aller tellement loin que finalement on trahirait l'essence même du christianisme, c'est-à-dire le fondement qui se trouverait dans les évangiles. Et donc quelque part, on revient que certaines personnes, même extrêmement maltraitées, parfois pendant des dizaines d'années, complètement détruites, ne parviennent pas à couper, je dirais, moi je dirais le cordon ombilical, évidemment, avec une mère déviante, mais eux diront, mais non, c'est l'Église du Christ. Comment toi tu vois en fait un peu cette réalité qui vue de l'extérieur pour un non-croyant ou quelqu'un qui a fait son chemin et qui de fait finalement est parti, comment tu vois en fait cette difficulté pour certains de quitter purement et simplement une église qui peut être considérée comme Je meurtrière, l'explique par une criminelle, chose. mortifère? Je l'explique par une seule chose. L'extraordinaire fidélité de l'enfant. Il se passe, évidemment, la plupart de nous, on a baigné dans cette religion-là très tôt dans nos vies. Puis, l'extraordinaire besoin de l'enfant aussi d'être reconnu a été beaucoup manipulé par. L'Église est passée maître, elle a 1700 ans, elle est passée maître dans la manipulation. Et puis, étant donné que même si c'était déviant, elle a réussi à nous donner l'impression qu'elle nous écoutait pour ce qu'on était, très tôt dans nos vies. On est comme prisonnier des premiers sentiments qu'on a ressentis très tôt. Et puis, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à déplacer, à changer dans notre être profond.
Ça prend souvent, moi, ça a été mon cas, ça prend des catastrophes. Pour le faire petit à petit, ça prend une grande détermination. Beaucoup de douleur dans certains cas, mais c'est extrêmement difficile pour les gens qui ont baigné très tôt dans ça, puis qui n'ont pas connu nécessairement de fossé, de se détacher entièrement de ce sentiment-là d'appartenance qui est né, comme je l'explique, avec toute la naïveté de l'enfant. C'est très, Oui, c'est très, ça. très difficile. C'est ça. Mais c'est vrai que quand on est adulte, évidemment, on pourrait se dire qu'on a l'esprit critique et quelque part, on est plus à même à réfléchir par soi-même, à lâcher ce qui, de fait, nous entrave. Mais j'ai aussi l'impression, en fait, que souvent, quelque part, l'adulte qui reste, d'une certaine façon, il y conserve un intérêt suffisant pour, malgré toutes les dérives, malgré toutes les déviances, malgré tous les abus, y rester quand même. Une sorte peut-être de besoin de sécurité, de se raccrocher à quelque chose qui finalement est consolateur, hein, je veux dire, un petit peu comme le Père Noël. Un enfant, il croit tant qu'on ne lui dit pas que le Père Noël n'existe pas. Ici, on a un peu l'impression finalement que l'adulte, il a remplacé le Père Noël par le Père Céleste, quoi. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Et tant qu'on ne lui dit pas, tant que l'autorité religieuse ne lui dit pas, mais tu sais, tout ce que tu as cru, c'est du bidon, en fait, le croyant va continuer évidemment à se fier à l'autorité religieuse, à commencer par le pape. J'étais tombé, en fait, en préparant un petit peu notre entretien, Daniel, j'étais tombé sur un texte que je trouvais très, très évocateur, et je te proposerai en quelques mots après de réagir à ces quelques mots que je tire de la lettre ouverte au Kubeni de Cavanna. Pascal, si tu veux, Oui. avant, j'aimerais ajouter quelque chose sur cette difficulté-là qu'on a Oui. de se Oui. détacher. L'enfant que nous sommes, plus on le découvre, plus on s'aperçoit que les valeurs intérieures qui nous habitent sont 1 000 fois supérieures à tout ce que l'Église peut nous proposer. Pour moi, ça a été une façon, ben Détaché. oui, absolument. Ça, c'est un des éléments qui favorise notre liberté. Oui, ben en lien avec ce que tu viens de dire maintenant et juste avant, donc je vais lire ce bref passage de Cavanna qui est intitulé Du bon de l'éducation religieuse. Et il ne va pas de main morte puisqu'il est extrêmement tranché, un petit peu comme toi et moi finalement, en disant la Oui. religion est une anomalie. Une maladie du corps social, une monstruosité, mais elle existe. Elle est même universelle, comme les poux. Il paraît qu'on n'a jamais trouvé de vestige d'une société humaine, aussi primitive fût-elle, qui ne présenta point de symptômes de religiosité. En parenthèse, les curés en tirent argument. Pour ma part, j'y vois surtout confirmation que les cons ont toujours été le plus grand nombre. La religion, donc, existe, au même titre qu'existe la guerre, l'avarice, l'injustice, l'envie, le vol, le sida, le cancer et autres véroles, tout à la fois sociales pour l'observateur et individuelles pour qui le reçoit sur la gueule. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est comme un virus. C'est comme un virus spirituel qui nous fait penser qu'elle est nécessaire moi, à quelque part, tout en me répugnant profondément, tout ce qui se passe là aujourd'hui. J'ai de la difficulté à comprendre que les gens soient encore là, mais évidemment, c'est pas tout le monde qui a le même parcours. Non, c'est ça, bien sûr. Et puis, il y a une autre chose qui nous prédispose à aller vers cette cochonnerie-là, c'est le fait que on est manipulé partout. Dans tous les domaines de notre vie, on est manipulé, on est utilisé, on nous ment sur plusieurs statistiques,
on veut nous vendre quelque chose continuellement depuis qu'on est enfant. On nous utilise comme des robots. Et puis, à ce moment-là, on nous fragilise. Puis c'est souvent dans une certaine période de la vie d'une personne où elle est plus fragile qu'elle va adhérer à des institutions comme ça, parce qu'elle n'en peut plus d'être bombardée, d'être utilisée. Donc, le monde actuel participe, moi, je dirais indirectement et directement, au fait que beaucoup de gens deviennent prisonniers. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que quelque part, en t'entendant, je me dis évidemment que la liberté ne tombe pas du ciel pour le coup. C'est vrai qu'on ne naît pas libre, on le devient, comme on ne naît pas femme, dit je pense Simone de Beauvoir, on le devient. C'est une longue prise de conscience et du coup, une lente et parfois douloureuse remise en question de ce qui a été acquis au fil de l'enfance et qui a été pris effectivement pour argent comptant. Donc on en revient évidemment avec la nécessité de l'esprit critique. Mais du coup, évidemment, on voit très bien dans l'Église actuellement que l'esprit critique commence à faire son chemin, justement la liberté de conscience aussi. Les catholiques, évidemment, sont absolument outragés, honteux des dérives de leur clergé. Mais comment expliques-tu finalement que malgré tout, certains, en tout cas croyants, restent en disant, mais tu ne veux pas comprendre parce que moi j'ai la foi, et c'est ce qui me fait tenir finalement, malgré et envers tout. Tu prends ça comment, toi, quand quelqu'un te dit, mais Moi, tu ne comprends rien, moi j'ai la foi, tu ne peux pas non. juger, tu ne peux pas te mettre à ma place. Non, moi je l'explique dans ma conclusion de livre. Ce que j'ai découvert comme foi, ça ne s'adresse pas uniquement à moi. Ça s'adresse à l'univers tout entier. Ça s'adresse à l'humanité tout entière. C'est que j'ai la certitude depuis pas tellement longtemps que les forces présentes dans l'univers actuellement ne sont pas que capables de beauté. Elles sont aussi extrêmement puissantes et possèdent un système de défense très sophistiqué. C'est ce qu'on commence à voir. La nature nous le montre. Hein? La nature nous montre que là, c'est assez, assez, c'est assez. C'est gros comme une baleine, c'est assez. Mais présentement, c'est ce qui me rapproche, c'est ce qui me donne la foi. J'ai plus besoin de trouver est-ce que l'humain est bon ou pas, parce qu'il l'est. Foncièrement, on n'a qu'à regarder tous les bébés naissants. Pour qu'est-ce qui est de l'humanité, présentement, ma foi, comme je te dis, elle est dans les mécanismes en place, déjà en place, qui vont réagir à ce qui se passe et protéger l'univers, la Terre, entre autres. Pour moi, c'est ça. C'est rendu ma foi. C'est universel. Et puis, je t'avoue que pour moi, c'est nouveau. Avant ça, je n'avais pas de foi. Je n'avais plus. Pendant les dernières années, je n'avais plus. Je ne sentais pas le besoin d'en avoir. Oui, ben c'est plutôt ici, si je comprends bien, quand même un retour vers ton intériorité, débarrassé du côté religieux et donc aussi quelque part un retour à la nature. C'est aussi le fameux connais-toi toi-même. Peut-être que si Oui. effectivement chacun commençait par se connaître soi-même, on pourrait de fait peut-être partager des valeurs beaucoup plus universelles que ce que les religions veulent nous faire croire ou là, finalement, au lieu de relier, elles nous séparent. Oui, la clé, là, c'est que on soit reçu ici, sur Terre, par des gens qui sont déjà libres. C'est-à-dire que ce qu'on va recevoir comme nourriture spirituelle d'échange va nous construire immédiatement comme des gens libres. Mais malheureusement, on est reçu par des gens qui sont
menacés, qui n'ont plus accès à leur liberté, comme je disais tantôt, qui sont des robots, etc. etc. Puis ça, ben, ça envoie un mauvais signal à l'enfant qui arrive sur son environnement, puis ça le fait vouloir... Moi, je me suis sauvé de partout. Je me sauvais de tout. J'ai fait toutes les écoles de la réforme de la province. Je me suis sauvé des plus rudes, des plus sécuritaires. Je me sauvais de tout, tout, tout. Puis, pourquoi je me sauvais? Parce que j'avais peur, je n'avais pas confiance. L'humain doit arriver sur Terre et être en présence de gens qui ont déjà ce que nous et toi, on partageons présent. Oui, mais de toute façon, je veux dire, de nouveau, il n'y a personne qui, a priori, qui a ça de naissance. Hein. C'est un long chemin. Donc, on se frotte à soi-même, forcément, on se frotte aux autres. On se fait parfois la guerre et la libération de son être, ça prend du temps parce que justement, on est tous amenés à vivre dans une culture, une famille. Avec éventuellement des déviances multiples. Et donc, on a tous subi quelque part un joug, un carcan, et il faut s'en libérer. C'est l'histoire de toute une vie. Donc, on rencontre des gens libres à partir du moment où les gens eux-mêmes ont cheminé et ont accepté de remettre en question justement certaines choses qui devenaient pour eux complètement intolérables, point de vue liberté individuelle, point de vue fidélité à soi. Si on veut en revenir à ton livre, en fait, Daniel... Tu parles évidemment de ton histoire singulière, de ta trajectoire de vie, on l'a dit, extrêmement traumatisante et de laquelle il a fallu te libérer petit à petit, dans une situation effectivement où le Québec était quand même aussi complice de l'Église et de ses malveillances. Et moi, évidemment, quand j'ai parcouru ton livre, j'ai souhaité évidemment aussi faire le lien avec le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique en France, rapport de la commission Sauvé, donc de la CIAS. Et il y a un élément justement qui me fait dire évidemment que ce que tu as vécu au Québec quelque part, et on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est quelque chose d'universel dans l'Église pour le coup, c'est ce qui est ici pointé dans le rapport de la CIAS, intitulé « Faire la lumière, analyse qualitative et quantitative des violences sexuelles dans l'Église catholique en France à partir des données collectées ». Il a notamment dit ceci, « Un phénomène massif, longtemps recouvert par une chape de silence et difficile à mesurer. Une église catholique bien davantage concernée que les autres lieux de socialisation des enfants, à l'exception des cercles familiaux et amicaux. Des vies ravagées par les agressions. » Donc ça, c'est quand même effectivement quelque chose d'extrêmement fort. C'est de mettre en avant, peut-être de manière assez unique, dans un rapport qui a été demandé à l'initiative de l'Église catholique de France, de mettre en avant ce caractère systémique des violences. Oui. Ce n'est pas des cas particuliers, ce n'est pas quelque près déviant, non. C'est un système mis en place par l'Église elle-même. Oui, je l'ai lu brièvement, puis j'ai été même surpris de jusqu'où ça va, le raisonnement. Et puis, ben écoute, moi, comme tu sais, j'ai vécu ça dès l'âge de 7 ans, j'en parle à mon livre, jusqu'à l'âge de 13 ans. En fait, jusqu'à ce que je décroche complètement du système scolaire, parce que c'est l'Église qui dirigeait le système scolaire ici. Puis, en faisant un retour sur ces agressions sexuelles-là, je me suis rendu compte que c'était comme de l'eau qui coulait sur le dos d'un canard, dans mon cas. Parce que ce que j'avais vécu très tôt était tellement plus douloureux, était tellement plus dommageable. J'étais aux prises avec une douleur qui venait de ma naissance. Tout ça, tu sais, je me suis rendu compte que ça ne m'a jamais fait aussi mal que deux événements dans ma vie. La mort de mon frère, qui lui a été abusé sexuellement, Alain, et qui s'est suicidé à l'âge de 12 ans, que j'ai trouvé à l'âge de 10 ans. Ça a été
un cataclysme. Ça et ma naissance, c'est les deux éléments qui m'ont le plus traumatisé dans ma vie. J'ai jamais réalisé sur le coup ce qui se passait avec mon frère, mais je l'ai réalisé quand je suis allé en thérapie, que c'était un autre événement qui avait contribué à me fermer à l'extérieur, de tout ce qui était extérieur à moi. Je vivais dans mon monde. C'est la façon que j'avais trouvée pour survivre. Bien sûr. Oui, je suis content. Je suis content parce que ça donne une voix à tous ceux qui l'ont vécu et qui n'ont jamais osé en parler. Ça permet à ces gens-là aujourd'hui de commencer à espérer. Puis c'est tellement salutaire pour eux que moi, j'ai hésité pendant 5 ans avant de m'enregistrer un recours collectif. Je l'ai fait dernièrement. Même en pensant, en espérant qu'on me choisisse pour représenter le recours, j'étais décidé à ce que je croyais plus ou moins, moi, au fait que dénoncer les agresseurs, ça avait un effet thérapeutique. Mais aujourd'hui, j'y crois. J'y crois tellement. C'est essentiel tout ce qui se passe. C'est pas pour rien. Et puis, j'espère juste qu'il va y en avoir plus. Parce que ils disent qu'on commence à guérir le jour où on se sent entendu. Ben Puis oui. ça, c'est une excellente façon pour ceux qui souffrent, qui n'ont jamais parlé, de se savoir écouter, malgré tout. Puis moi, je trouve ça extraordinaire ce qui se passe. Ben oui, et là, on en revient peut-être aussi du coup de fait à ton livre qui est aussi une forme de prise de parole. Donc je dirais en fait, qu'est-ce que tu attends en fait de ton livre pour toi peut-être, hein, par rapport aussi aux échos que tu pourras en avoir, mais aussi pour les autres, qu'est-ce que tu attends sur un plan plus général de ces mots que tu as accouchés sur le papier? Oui. C'est comme si ça donne des rames. Écrire, ça donne des rames. Tu sais, quand tu es sur la mer un peu sans savoir où tu es rendu, au moins tu peux diriger un peu ton bateau. Et puis, les mots que moi j'ai écrits, je les ai entendus. Puis ils m'ont dirigé, dans le fond, dans réhabilitation. Mais du coup, tu en attends quoi de ce livre? Pardon? Tu en attends quoi de ce livre? C'est une dénonciation. Écoute, j'attends qu'il fasse du bien. Que les gens, en le lisant, sachent un peu plus dans quoi ils sont sur la planète actuellement. Et puis, c'est pas complet. J'aurais aimé mettre beaucoup l'accent sur ce qu'on est, mais ça s'en vient. Ce que j'ai découvert sur l'être humain, puis comment, bon. Mais pour l'instant, c'est une dénonciation, premièrement, qui m'a fait beaucoup de bien. Puis deuxièmement, j'ai réalisé qu'on était tellement, mais tellement manipulés, que ça m'a fait du bien de penser que je pouvais un peu dénoncer tout ça. C'est une dénonciation, dans le fond. Et au Québec, tu as l'impression que les croyances sont devenues conscientes de leur propre histoire. J'ai envie de dire ecclésiale, religieuse, ou bien il y a encore une prise de conscience nécessaire? Tout est encore extrêmement camouflé. Sous des dizaines et des dizaines d'années. Et puis ça, c'est la faute du gouvernement. Le gouvernement a peur, extrêmement peur, que tout ce qui concerne l'Église catholique sorte public parce qu'il a participé. Il a été il a bénéficié
énormément de l'influence de l'Église, d'influence politique de l'Église. On est prisonnier encore de l'omerta qui entoure tout ça. Mais ce qui m'a troublé, moi, en écrivant mon livre, c'est que j'ai réalisé que c'est l'État qui a le plus à perdre. Que ce soit en France ou ailleurs, tous les systèmes qui ont accueilli l'Église catholique comme Église principale se sont fait fourrer, en parenthèse, se sont retrouvés victimes de chantage de sa part parce qu'ils ont ouvert tous les systèmes, les services sociaux, lui ont donné le pouvoir là-dessus. Et puis, toutes les dérives qu'elle a eues dans ces systèmes-là en utilisant un peu les plus vulnérables, bien, ils sont responsables de ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas reconnaître d'un coup, parce que la boucherie serait trop difficile à avaler. Mais avec qu'est-ce qui se passe avec les Autochtones, il y a des sérieuses brèches qui sont faites au niveau de l'Église, premièrement, et ça va ouvrir la porte aussi à beaucoup d'autres brèches. Mais moi, je me rends compte évidemment, Daniel, avec le temps et les remises en question qui me sont propres, je me rends compte évidemment que tout ça, quelque part, me paraît tellement évident quand on ouvre vraiment les yeux, qu'on est lucide, qu'on remet en question le fonctionnement de l'Église, tout ça me paraît tellement évident, mais en même temps, c'est tellement peu évident encore pour tellement de personnes que c'est important de continuer de fait à en parler. Et je voudrais, pour arriver tout doucement quand même vers la fin, ne pas être trop long, je voudrais quand même éventuellement que tu nous donnes peut-être un point essentiel sur lequel tu souhaiterais encore insister par rapport à ton livre, un point qu'on n'aurait peut-être pas encore évoqué et sur lequel tu voudrais terminer pour mettre vraiment l'accent sur quelque chose qui te paraît encore important. OK. Deux points importants. L'inconscience actuelle de tout ce que la femme endure dans le monde. Pour moi, c'est important qu'on prenne conscience que de plus en plus, les systèmes en place sont profondément misogynes à la base. Et puis, c'est ce qui a ouvert la porte à toutes sortes de dérives concernant la femme. C'est ce qui fait aussi que nous, comme humains, on s'ignore beaucoup parce que la moitié de l'humanité qui n'a pas de parole, qui n'a pas vraiment de parole, puis c'est la plus importante. Ouais. Ça, c'est un des points. Ouais. Et là, c'est intéressant ce que tu soulèves effectivement comme point essentiel. C'est que, pour être très concret, tu listes en fait toute une série de paroles du magistère qui, en fait, sont des paroles sur la femme, pour la femme, édictées par des mâles, et des paroles parfois extrêmement avilissantes, humiliantes, où on se dit, mais comment est-ce que le magistère a pu sortir des paroles complètement, tu l'as dit, sexistes, misogynes et d'une cruauté vraiment incroyable. Oui, c'est ça aussi, c'est quelque chose qui s'est dévoilé à moi à partir de l'âge de 50 ans, mais surtout dans les derniers 5-6 ans, là, aussitôt que j'ai compris ce que ma mère avait vécu. Pendant qu'elle me portait à la crèche et après de s'en aller seule, de perdre son enfant. Je me suis beaucoup questionné sur comment une société en arrive à être aussi cruelle gratuitement envers une femme enceinte. Puis j'arrivais pas à Oui, comprendre. mais bon, c'est vrai que ton exemple, évidemment, par rapport à ta propre naissance et la manière dont elle a été prise en charge, entre guillemets, par l'Église, montre bien, évidemment, la manière dont l'Église traitait justement la femme, puisqu'effectivement, il s'agit d'elle dans nos propos ici. Et donc, tu voulais également insister sur un second élément?
Oui. L'importance pour moi de réussir à faire ouvrir une enquête publique sur tous les crimes contre l'humanité qui ont été commis ici par l'Église et l'État, étant donné que un crime contre l'humanité ne souffre d'aucune prescription, tout est encore possible, tout est encore ouvert. Et puis ça, si on y parvenait ici au Québec, ça donnerait encore un plus grand souffle à tous ceux qui ont été victimes de ces institutions-là, de ces crimes-là. Pour moi, je trouve que ce serait extraordinaire. C'est pas une mince affaire, mais c'est possible. Puis, comme je le dis, comme je le mentionnais tantôt, les découvertes du côté autochtone vont peut-être obliger les gouvernements canadiens et provinciaux à réagir parce que il y a trois cimetières autochtones qui ont été fouillés. Ils ont trouvé des ossements partout. OK? Il en reste 136 à grandeur du Canada. Fait que je pense que le gouvernement n'a pas fini de patiner. Puis moi, ben, si je peux lui donner une jambette, ça va me faire plaisir. D'accord, Daniel. Écoute, je te remercie pour cet échange. Peut-être que tu pourrais encore nous dire où précisément on peut se procurer ton ouvrage. Oui, écoute, Comment? en m'écrivant à Enfant en soi, avec un E, chiffre 7, gmail.com. Moi, ce que je fais, c'est que je retourne dans mon courriel réponse, j'envoie mon livre et j'envoie le lien sur PayPal où c'est possible de te payer. D'accord, mais C'est écoute. la manière la plus simple que j'ai trouvée. D'accord, mais écoute, très bien. Mais je remettrai de toute façon l'adresse mail à laquelle on peut effectivement te contacter pour acheter ton livre. Je mettrai ça sous le descriptif de la vidéo. Donc voilà. Écoute, je l'envoie sous forme PDF électronique, D'accord. puis c'est au coût de 10 $ Très bien, mais canadiens. écoute. Comme ça, les choses sont dites. Et puis l'idée, effectivement, c'est quand même de diffuser ton histoire et la manière dont tu as perçu plus largement l'histoire religieuse du Québec pour évidemment aussi ouvrir les yeux à un maximum de personnes, puisque je pense qu'on l'a dit, prendre la parole et également par la voie de l'écrit est une manière de faire avancer les choses, de bousculer les consciences et de remettre, j'ai envie de dire pour le coup, l'église au milieu du village. Donc je te remercie Daniel pour cet Ah, échange ça me fait un grand plaisir. tout en liberté. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. OK, bye bye, Pascal. Au revoir.